Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. En ce moment, elle revient régulièrement sur les vidéos. Aujourd'hui, un petit achat, un seul. À Action, j'y suis allée pour aller chercher quelque chose. Pour aller chercher quelque chose et ben, il n'y en avait déjà plus. Donc, j'espère qu'il y en aura dans la semaine pour que je puisse vous faire une vidéo dessus. Je voulais y aller samedi. J'avais dit à mon mari, bah, je vais y aller aujourd'hui. Il m'a dit, mais ça avait eu le temps, il pleut à verse. C'est vrai, il pleuvait des cordes et des cordes et des cordes. J'ai dit, ouais, bon, je vais pas y aller. Pourtant, c'est pas loin, hein, même en voiture. Puis, mais en fin de compte, j'aurais dû y aller samedi. Bon, tant pis. Enfin, alors, regardez-moi ça. Elle a été se mettre des... Oh là là. Bon, commence bien avec elle. Et du coup, bon, ben, j'ai rien trouvé dans le rayon loisirs créatifs qui pouvait m'intéresser ou que je n'avais déjà. Et je suis passée au rayon peinture créative. Et donc, j'ai découvert... Alors, je ne sais pas si c'est nouveau parce que je n'avais pas vu avant ou je n'ai pas fait attention, j'en sais rien. J'ai découvert un set d'aquarelles en tube. Voilà. Fifi, allez, descend. Hop, hop, hop. Voilà, merci. Un set d'aquarelles en tube, comme ceci, comme des gouaches. Donc, j'ai jamais fait d'aquarelle comme ça en tube. J'ai toujours utilisé les aquarelles avec les petits... Hein, vous avez compris? mais en tube, j'ai jamais fait d'aquarelle. Donc, je me suis dit, bah, je vais le prendre, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Alors, là, on a 6 et 6, on a 12 tubes. Je vais enlever la petite étiquette, on verra mieux. Je vais enlever le plastique, hein, de toute façon. Alors, on a 12 couleurs. Alors, les couleurs, on a noir, vermillon, burnt. Alors, c'est écrit en anglais, hein, donc il y a un marron, il y a un orange, un rouge, un jaune, un bleu roi, un bleu marine, un vert clair, un vert plus foncé, un blanc et un ocre. Voilà. Et avec, donc on a deux pinceaux, un plat et un plus fin, et on a un crayon gris. Voilà. Alors, est-ce qu'il marque derrière le crayon, tout ça? Non. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir pour qu'on voit, parce qu'il y a le couvercle derrière aussi. Donc, je vais vous faire un essai avec ces peintures. Pour voir ce que ça donne. Donc je ferai un essai sur un de mes livres de coloriage simple, je vais dire. Je vais pas essayer sur mes beaux, on sait jamais. Ce serait raté, je préfère que ce soit raté sur un livre ordinaire que sur un beau. Voilà. Donc ben, il n'y a rien de spécial hein, sur le couvercle. Alors, je vais vous montrer les pinceaux. Voilà, donc on a un plat, comme ceci. Est-ce qu'il y a des numéros dessus? Non, il n'y a rien écrit. Et on a un, comme ceci. Voilà, plus fin, un peu, le pinceau un peu rond. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vraiment des pinceaux aquarelles, mais bon. Et le crayon gris, alors c'est un HB. Voilà, donc, hop. Je vais vous montrer.
si j'arrive, voilà, c'est un HB. Donc les tubes, les voilà. Et il y a quelle contenance dedans? Est-ce que c'est marqué? Non, ce n'est pas. Ah si, c'est des tubes de 12 millilitres. Voilà. Donc, bon, on verra bien. Hein. Bon, bien sûr, c'est Made in China, hein, mais bon, c'est Action. Donc, on se doute bien que ce n'est pas fabriqué en France. Donc, on va voir. Alors, j'ai acheté avec ça. Alors, j'en avais déjà une, mais où? Elle est quelque part dans ma pièce. Mais où? Je ne sais pas. Donc, je me suis racheté une palette pour faire mes mélanges, poser mes peintures. Hein. C'est beaucoup plus pratique. Surtout que là, bon, comme c'est des tubes, il vous faut absolument une palette. Bon, celle-là, elle va bien. Hein. J'en avais une comme ça. Vous avez le petit trou pour mettre le petit pouce. Voilà. Donc, je vous marque les prix hein, des deux articles en bas parce que je ne les ai plus en tête et j'ai laissé mon ticket de caisse en bas. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pareil. Hein, c'est du plastoc. Il n'y a rien de spécial d'écrit. Non, c'est une palette hein, toute simple. Voilà. Donc, ça, pareil, c'est au rayon des peintures créatives. Donc voilà pour aujourd'hui mon petit achat. Bon, j'aurais pu ressortir d'Action sans rien acheter, hein, voilà, puisque je n'avais pas trouvé ce que je voulais. Mais bon, non, j'avais vu ça et puis je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. On verra ce que ça donne. Bon, je vais peut-être pas essayer. Je vais peut-être essayer les pinceaux hein, pour voir ce qu'ils donnent. Mais bon, je pense plus que c'est des pinceaux gouache, ça. Que des pinceaux aquarelles. Je vais plus travailler avec mon pinceau à réserve d'eau qu'avec cela. Voilà. Je voulais racheter des pinceaux à réserve d'eau justement, mais il n'y en avait plus à Action. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai deux, je crois. Ouais, j'en ai deux. Un que d'Action et un que j'avais acheté je ne sais plus où. Donc voilà. Donc voilà, donc la suite de la vidéo, ça va être mon essai sur un coloriage. Donc je ne sais pas si le coloriage va être fini entièrement aujourd'hui, hein, mais le principal, c'est d'essayer de faire déjà, de commencer un coloriage avec, pour voir ce que ça donne. Et je vous reparlerai à la fin pour vous donner mon ressenti de ces aquarelles. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et là, en attendant, je vous laisse visionner ce petit coloriage, ce petit essai de ces aquarelles en tube. Voilà. Bon visionnage. À tout à l'heure. Bisous, bisous.
Me revoilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai pu terminer mon dessin. Voilà, bon, j'ai choisi un dessin pas trop grand pour pouvoir faire mon essai sur ces nouvelles aquarelles que j'ai achetées. Et j'ai fait mon dessin sur mon cahier, enfin mon livre de coloriage ordinaire. Enfin, je dis ordinaire parce que bon, ce n'est pas sur mes beaux livres. Puisque là, c'est un livre qui coûtait dans les 5-6 euros seulement. Donc, quand j'ai des essais à faire, je préfère le faire sur celui-là. Je regarderai pour vous remettre le lien de ce livre s'il vous intéresse. Évidemment, comme d'habitude. Désolée, je suis essoufflée. Je viens de monter mon escalier. Pourtant, je n'ai qu'un escalier à monter. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah, nickel, ça va. Alors, bien sûr, c'est des petits tubes, hein, donc je ne vais pas faire une année complète. Bon, il faudrait que, quand je dis une année complète, il faudrait que je fais de l'aquarelle tous les jours quand même, mais bon, c'est des petits tubes, donc c'est des tubes qui vont quand même s'user plus vite que les petits godets. Voilà, j'ai retrouvé le mot que je cherchais tout à l'heure, que les godets. Mais bon, ça va. Niveau des mélanges, il n'y a pas de souci. Elle se mélange bien. Niveau la texture pour mettre sur le papier, bon, impeccable. J'ai pas de problème. Bon, j'ai pas été faire mon dessin vraiment dans la finition. Vous avez vu, hein, de toute façon, là, il n'est pas vraiment nickel, nickel chrome, là, mon coloriage. Mais c'était surtout pour essayer les peintures, pour voir ce que ça donnait. Voilà, j'en suis contente. Bon, c'est du action, mais du bon action. Voilà, on va dire ça. De toute façon, pour le prix, on va dire qu'on n'est pas volé. Voilà. Non, elles sont bien. Je regrette pas mon achat. Pour faire des petits coloriages comme ça, c'est pas mal. Donc, si vous avez envie de les acheter, bon, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Donc, je referai d'autres coloriages, hein, bien sûr, avec ces peintures. Hein, sinon, ça sert à rien de les acheter si c'est pour les laisser dans un coin. Malgré que, bon, j'ai d'autres aquarelles d'action qui sont là et que je n'ai encore jamais essayé ni utilisé. Qu'il faudra d'ailleurs que je, quand même, que j'utilise un jour. Mais bon, deux boîtes d'aquarelles que j'avais achetées à Action et que ouais je les ai même non je les ai jamais utilisées même essayées. Bon. Il va falloir hein? Donc voilà. Je vous ferai une vidéo pour alors pendant que je faisais mon coloriage Chouchou donc pour ceux qui ne connaissent pas Chouchou c'est mon mari. Faisait son coloriage à lui et il cherchait un feutre noir, bon, parce que le sien n'allait plus, donc je lui ai prêté les miens, les brush pen que je vous ai montré dans la précédente vidéo que je vous ai présenté. Et il m'a dit, oh, il est bien, il transperce pas. Et du coup, ben, là, je viens de retourner à Action. Alors, j'y avais été ce matin. Alors là, je viens d'y retourner. Il est une heure de l'après-midi. Avant qu'il n'y en ait plus. Hein. Donc, j'étais lui racheter la série pour lui. Et du coup, j'ai retrouvé ce qu'il n'y avait pas ce matin dans les rayons. Des feutres marqueurs. Mais que j'avais déjà vu hein, depuis. Ça fait plusieurs fois que je les vois, mais je ne les avais jamais achetés. Et là, je les ai pris pour les essayer. Donc, vous ferai une vidéo crash test, comme je dis, pour voir ce que j'en pense, pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, je vous ferai ça dans la semaine.
Oui, parce qu'en même temps, comme je vous ai dit, hein, ce matin, j'avais été pour voir. Et du coup, j'ai regardé si cet après-midi, ils avaient parmi l'article que je cherchais. Désolée pour cette petite coupure. Et du coup, j'ai dû changer le plan un peu de ma caméra. Je n'avais plus de batterie. Et du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bon, ben, ça ne fait rien. je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire, mais bon, ça fait rien. Oui, je parlais des feutres, mais pourquoi? Je ne sais plus. Je vieillis, les filles, je vieillis. Je sais plus. Oui, si, je vous disais que j'allais faire donc une vidéo crash test avec ces nouveaux feutres. Puis je vous disais autre chose, mais bon. Mystère et boule de gomme. Bon, soit. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo crash test, du coup, vous aura plu. Ça vous aura donné envie de les essayer aussi, peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez déjà ces aquarelles en tube, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est toujours sympa de savoir d'avoir plusieurs comment plusieurs avis. Voilà. Que je. Ça se mélange dans la tête. donc voilà. Et puis donc voilà. Donc, bon, il y aura d'autres vidéos haul bientôt. Enfin, je ne sais pas quand, parce que j'attends de recevoir de chez Amazon. Et puis, voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, il y a une vidéo concours, n'oubliez pas. Voilà, pour le Diamond Painting. Donc je vous invite à aller le voir. Donc il est en ligne jusqu'au 13 février. Donc n'oubliez pas d'aller voir et de participer si ça vous intéresse. Allez, maintenant je vous laisse. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.